anywhere. Je suis sûr que vous pouvez voir que ce n'est pas aussi facile que ça d'aller prêcher l'évangile ou que ce soit. It takes the grace and the power of God. Ça demande la grâce et la puissance de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. This last session, cette dernière séance, I want to share with you je veux partager one of avec the vous most important things l'une des choses les plus importantes of your whole ministry. Pour tout votre ministère. Amen. Amen. Is that beautiful? Est-ce magnifique? Is it fantastic? Est-ce fantastique? How many of you saw some of the countries where you come from on the film there? Qui ici a vu le pays d'où vous venez dans le film là? Yeah. Oui. Some of you saw. Certains d'entre vous les avez. Your relatives. Vous avez vu les membres de vos familles. Are waiting for salvation. Qui attendent le salut. Amen. Amen. Fantastic. Fantastic. Now, one of the great things. Maintenant, l'une des grandes choses that is very important for us, très importante pour nous is light. Est la lumière. Amen. Amen. Light. La lumière. The Bible says thy word is a light. La Bible nous dit ta parole est une lumière to my path. À mes pieds. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now 1 Kings chapter 13. 1 Rois chapitre 13. Verset 1. And behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. And Jeroboam stood by the altar to burn incense. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. And he cried against the altar and the word of the Lord and said, thus says the Lord, behold, a child shall be born to the house of David, Josiah by name. And upon thee shall he offer the priests of the high places that burn incense upon thee, and men's bones shall be burnt upon thee. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Now, this was something terrible was happening in the days of Jeroboam. Quelque chose de terrible se passait pendant les jours de Jéroboam. And a prophet came along. Et un prophète est venu. And prophesied. Et a prophétisé. That somebody que quelqu'un great de grand was going to come viendrait in the future, dans l'avenir, and this altar on which they were sacrificing to idols, et cet autel sur lequel ils sacrifiaient aux idoles, this man who comes, cet homme qui viendrait, is going to come and burn the bones viendrait, of idol worshippers on that very altar. Il viendrait brûler les ossements de ceux qui sacrifiaient aux autels sur ces mêmes autels. Hallelujah. Hallelujah. And the name of the person was going to be Josiah. Et le nom de cet homme serait Josias. Josiah. Josias. All right. Okay. Now, many of us are born into this world with a great destiny. Plusieurs d'entre nous sommes nés dans ce monde avec une grande destinée. Sometimes there is even a prophecy. Parfois il y a même une prophétie. Over you. Sur votre vie. Yes. Oui. Sometimes you don't even know the prophecies that exist about your life. Parfois vous ne connaissez même pas la prophétie qui existe sur votre vie. And your ministry. Et votre ministère. You know? Vous savez? My father named me after a man, a UN Secretary General.
Mon père m'a donné mon prénom d'après celui d'un homme qui était un secrétaire général des Nations Unies. Who died in 1961. Un homme qui est mort en 1961. And I was born. My mother was pregnant with me a few months after that. Ma mère m'a porté quelques mois après ça. So when I was born, my father named me after, gave me his name. Et donc quand je suis née, mon père m'a donné le prénom de cet homme. When I went to Zambia recently, I was shown that when I got there, somebody said, "But we know your name. The man, Dag Hammarskjöld, he died here." They said, "I was staying just near where he crashed." Quand je suis allée en Zambie récemment, ils m'ont dit, mais on connaît ton nom. L'homme dont tu as le nom, il est mort ici en Zambie. Voilà, et j'habitais tout à côté de là où il a eu un accident. But you see, the name has a meaning. It means brightness. Mais vous voyez, le nom a une signification. Il veut dire brillance. It means day. Ça veut dire journée. Brightness. Lueur, brillance. Then, puis, when I was born, quand je suis né, my father, I was born in London. My father came to the hospital. Je suis né à Londres. Mon père est venu à l'hôpital. And he prayed. Et il a prié. And he said, "Oh God." Il a dit, "Oh Dieu." Even if you want him to be a priest. Même si tu veux qu'il soit prêtre. I give him to you. Je te le donne. So. Donc. You know, my father said all that at my wedding. He said all these things. Mon père a dit toutes ces choses-là le jour de mon mariage. Now, maintenant, vous pouvez avoir une prophétie sur votre vie. Somebody, maybe have a name. Quelqu'un a peut-être un prénom. Maybe there is a prediction. Peut-être qu'il y a une prédiction. Just like there was a prediction that somebody was going to be born called Josiah, and he was going to do great things for God. Tout comme c'était prédit qu'un homme serait né du nom de Josias, qui allait faire de grandes choses pour Dieu. So in 2 Kings chapter 22. Donc dans 2 Rois chapitre 22. Here comes somebody who is called Josiah. Il y a quelqu'un qui vient et qui porte le nom de Josias. Only 8 years old. Seulement 8 ans. Hey. How is he going to do the will of God? Comment accomplira-t-il la volonté de Dieu? But there are many Josiahs. Mais il y a beaucoup de Josias. And so maybe it has no meaning. Et donc peut-être que ça n'a aucune signification. Peut-être que vous êtes né et vous faites partie de tant d'autres sur qui il y a une prophétie. Comment la prophétie de votre vie se réalisera-t-elle? How many want the good prophecies of your life to come to pass? Qui veut que les bonnes prophéties de sa vie se réalisent? Did the person next to you want the prophecies to come to pass? Est-ce que votre voisin veut que ces prophéties se réalisent? All right. Okay. Wow. Wow. Have you heard of Ivan the Terrible? Vous avez entendu parler d'Ivan le Conquérant, le Terrible? Is it Ivan the Terrible? C'est Ivan le Terrible. Or what? Ivan. Ivan le Terrible, yes. Ivan the Terrible. Ivan le Terrible. Not this Ivan. Pas Pasteur Ivan. Ivan le Terrible. He was there was the king, the tsar of Russia. Il y avait un roi, un tsar en Russie. And he was with his wife for many years. Il était avec sa femme pendant plusieurs années. Elle n'arrivait pas à concevoir d'enfant. And I think he went to get another woman. Et je crois qu'il allait prendre une autre femme. And the priest did not agree. Et le prêtre n'était pas d'accord. But when he left, he put aside his wife. I think the old wife gave a prophecy. Et quand il a rejeté son ancienne femme, je crois qu'elle a prophétisé quelque chose. Elle a dit qu'il donnerait naissance à un fils méchant, mauvais. Oui. That was the Ivan the Terrible. Et cet enfant était Ivan le Terrible. So, you see, people have prophecies over them. Donc vous voyez, les gens ont des prophéties sur leur vie. And there may be prophecies over you. Et il peut y avoir des prophéties sur votre vie. Non. Non. 8 years old. Il avait 8 ans. Verse 2.
Au verset 2 de 2 Rois 22, right, il a fait ce qui était juste Lord, aux yeux du Seigneur. Not to the left or to the right. Il ne marcha ni à, ne se détourna ni à gauche ni à but droite. No sign of the prophecy coming to pass. Mais il n'y avait aucun signe que la prophétie se réalise. Now, it came to pass. Mais il se in fait que year, la 18e année, that the king sent Shaphan, the son of Azaliah, the son of Meshulam, the scribe to the house of the Lord, saying, go to Hilkiah, the priest, that he may sum or add up the silver which is brought into the house of the Lord, which the keepers have gathered, and let them deliver it into the hands of the doers of the work that have the oversight. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent à ceux entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Wow. Verset 6. And to carpenters, builders, masons, to buy timber and hewn stone to repair the house. Pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Verset 7. However, there was no accounting made of them with the money that was delivered on their hand, because they were very faithful. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Beautiful. Magnifique. Now, verse 8. Maintenant, au verset 8. Now, Hilkiah, as part of his work, on a entendu parler de son travail, found something by, almost by chance. Il a découvert quelque chose presque par hasard. And Hilkiah the priest said to Shaphan the scribe, I have found a book of the law in the house of the Lord. They were just repairing the house and doing accounts. And alors, he said, I have found the book of the law in the house of the Lord. Alors Hilkiah le souverain sacrificateur dit à Shaphan le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Pendant qu'il faisait les travaux, il a trouvé le livre de la loi de la maison, dans la maison de l'Éternel. Lift your hand and say, I have found a book. Levez la main et dites, j'ai trouvé a un book livre. Of the law. Le livre de la loi. Wow. Wow. And Hilkiah gave the book to Shaphan. Et Hilkiah, and he read it. Donna le livre à Shaphan et Shaphan le lut. Wow. Wow. Now, Shaphan the scribe came to the king and brought the king word again, said, your servants have gathered the money, we've delivered it, and we've done the work. Puis Shaphan le secrétaire alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? I hope you are watching how a prophecy will come to pass over your life. J'espère que vous voyez comment une prophétie va se réaliser sur votre vie. Keep watching, it's like a film. Continue à suivre, c'est comme un film. Wow. Wow. Now Shaphan the scribe showed the king and said, Hilkiah the priest has delivered me a book, has given me a book. And Shaphan read the book before the king. Maybe the king didn't know how to read. Shaphan le secrétaire dit encore au roi, le sacrificateur Hilkiah m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Peut-être que le roi ne savait pas lire. I want you to see how prophecies are coming to pass in your life. Je veux que vous voyez comment les prophéties se réalisent now, dans votre vie. It came to pass in verse 11. When the king heard the words of the book that had been found, he tore his clothes. Verset 11, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. And he spoke to Hilkiah and said in verse 13, go and inquire of the Lord concerning the words of this book that is found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not hearkened unto the words of this book.
Et alors ils disent au roi, allez, au verset 13, allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui y est inscrit. Wow. Wow. Are you with me? Êtes-vous avec moi? And then there was a big prophecy again. Puis il y a eu encore une grande prophétie. And 2 Kings chapter 23. Et dans 2 Rois chapitre 23. And the king went up to the house. Le roi alla monter à la maison de l'Éternel. À la maison de l'Éternel. Verse 3. Verset 3. 2 Kings 23. 2 Rois 23 verset 3. And the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord to walk after the Lord, to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all their heart and all their soul, and to perform the words of this covenant that were written in this book. And all the people stood to the covenant. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans Beautiful. L'alliance. Beautiful. Magnifique. Now verse 4 begins the revival. Verset 4, le réveil commence. A revival is about to begin in your life. Un réveil est sur le point de commencer. A revival is about to begin in your life. Un réveil est sur le point de commencer. And the king commanded Hilkiah the priest. Et le roi ordonna à Hilkiah le souverain sacrificateur. To bring out all the vessels of Baal. De sortir du temple sous les ustensiles de Baal. And he burned them without Jerusalem. Et il les brûla hors de Jérusalem. And carried the ashes of them to Bethel. Il a envoyé les poussières à Bethel. Verse 5, prophecy is being fulfilled. Verset 5, la prophétie s'accomplit. He put down the idolatrous priests. Il chassa les prêtres des idoles. Hallelujah. Hallelujah. And all those that burned offerings, incense to the gods of the sun and the moon and the stars. Et tous ceux qui brûlaient des parfums sur les hauts lieux pour les dieux du zodiaque, de la lune, du soleil. He brought out the girl from the house of the Lord. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté. And stamped it into small powder. Qu'il la détruisa, la brûla au torrent du Cédron et la réduisit en poussière. Verse 7. Verset 7. He broke down the houses of the Sodomites. Il a bâti les maisons des prostituées. Is prostitute the same as Sodomites? Here in the Bible, but de ceux qui pratiquent la sodomie. Dans la Bible anglaise, c'est plutôt ce qu'ils ont mis. Yeah. Oui. Sodomie. Ceux qui pratiquent la sodomie. Dans la version anglaise. And verse 8. Et he brought 8, out the priests that defiled the house. Il fit venir les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux. Yes, that, où les prêtres, burned incense, où les prêtres brûlaient des parfums. Et il renversa les hauts. Hallelujah. Amen. And it goes on and on. He did many things. Et ça continue. Il a fait plusieurs choses. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, God has a great call for you. Dieu a un grand appel pour vous. But you may never fulfill it. Mais vous pourriez ne jamais l'accomplir. Until you find in the book. Tant que vous ne trouvez pas dans le livre ce que Dieu a pour vous dans votre vie. Yes. Oui. True. C'est vrai. You see, God so loved the world. Vous voyez que Dieu a tant aimé le monde. He gave us his son. Qu'il nous a donné son fils. But when his son left, mais quand son fils est parti, we were left with the Bible. Nous, ce qui nous restait, c'était la Bible. Let us tell the truth, pastors. Disons la vérité, pasteur. We know God through a book. Nous connaissons Dieu au travers d'un livre. Is it true or it's n'est-ce not? Pas? Hey, volume man. Monsieur Volume, me, s'il I'll vous plaît. Give you three books. You vois-moi just... à la fin, je vais te donner trois livres si tu me donnes assez church. De son. Give me volume, I beg you. This is my last few minutes. Ce so, sont I mes don't want to shout. Dernières minutes, je ne veux pas avoir à crier. I don't want to shout, please. Je ne veux pas avoir à crier, s'il vous plaît. Please. S'il vous plaît. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Yeah. Oui. Let's not pretend. Ne faisons pas semblant. Few of us have ever seen Jesus. Peu d'entre nous avons vu Jésus de nos yeux. Pasteur Yvan, as-tu vu Jésus? Pasteur Modeste,
Pasteur, vous avez vu Jésus? Have seen Jesus Christ. Ah, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a vu Jésus-Christ face à face. Not easy to see Jesus. C'est pas facile de voir Jésus. Jésus. Tu as vu Jésus face à face? One person has seen Jesus. Une personne a vu Jésus. Jésus. Look. We know God through a book. Nous connaissons Dieu au travers de livres. It's true. Oui, c'est vrai. It may look so simple. Ça peut avoir l'air si simple. So powerful. Mais c'est si puissant. How did we know God? Comment avons-nous connu Dieu? How did we know about Jesus? Comment avons-nous entendu parler de Jésus? Preaching en me regardant prêcher about Jesus Christ, sur Jésus-Christ, somebody I've never met. Quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Never shaken hands with him. Je ne lui ai jamais serré la main. Never had been to his house. Je n'ai jamais été dans sa maison. Never talked to him about anything. Je ne lui ai jamais parlé de quoi que ce soit face à face. Hein? I never seen him. Je ne l'ai jamais vu comme ça. And all my life is for him. Et toute ma vie est pour lui. Hey, hey. I just read about him. Tout ce que j'ai fait, c'est lire. In a book. Dans un livre. I mean, let's. Is this better? Est-ce que celui-là Hello? Est meilleur? Hello. Hello. Is it better? Est-ce que c'est mieux? It's getting better. Ah, c'est getting mieux. Better. Okay. I give you 4 books. Je te donne 4 livres. You cannot escape. Vous ne pouvez pas vous échapper from the power de la puissance of a book d'un livre and books. Un et des livres. Today, aujourd'hui, Europe, l'Europe is an atheist nation. Est une nation athée by the power of books. À cause de la puissance des livres. Yes. Oui. Books have taken away Christianity from Les Europe. Livres ont levé le christianisme de l'Europe. Yes. Oui. Voltaire wrote. A écrit. Is he not a Frenchman? Il n'est pas français? Yes. Oui. What is his name who wrote The Age of Reason? Quel est le nom de celui qui a écrit L'Âge de la Raison? What's his name? C'est qui? Ingersoll, yes. Ingersoll. The Age of Reason, like he says, we've reached the age of reasoning, not believing. L'âge de la raison. Il dit qu'on a atteint l'âge du raisonnement, pas l'âge de la croyance. Yes. Oui. During the French Revolution, there was a man who was writing. What is his name? He was killed. Pendant la Révolution his picture française, is in the museum here, I think. Il y a un homme qui écrivait quelque Not chose. Not Robespierre. There was a man who was writing. Il écrivait beaucoup de choses. Il écrivait beaucoup de choses pendant la Révolution française. No, not guillotine. He invented the guillotine. Non. There was this man who was writing. Qui a inventé la guillotine. And he was killed by a woman. Il y a un homme qui écrivait beaucoup et qui a été tué par une femme. You know his name? Vous connaissez son Mara. Nom? Mara. That's Mara. It. Mara. Mara. He was writing. Il écrivait. And he was propelling the French Revolution. Et il a lancé la Révolution française. By his writings. Par ses écrits. Yes. Oui. People have written books to drive out faith. Des gens ont écrit des livres pour faire sortir and la foi. Introduce questions. Et introduire des questions about God. Sur Dieu. You cannot discount or reduce the value and importance of books Vous that are read. Vous ne pouvez pas diminuer ou réduire l'importance des livres dans ce monde. I tell you, these books, The Age of Reason, what Voltaire and all these books, it didn't come to Africa. Ces livres, L'Âge de la Raison, ce que Voltaire a écrit, tout ça, ces livres ne sont pas arrivés en Afrique. In Africa, we were not even reading. We wouldn't have read all these books. En Afrique, on ne lisait même pas à cette période-là. Donc, on n'aurait même pas pu lire tous ces livres. Hey. Now, here is a man who is living his life. Maintenant, voici un homme qui vit sa vie. Big prophecies over his life. Avec de grandes prophéties sur sa He vie. Has the right name. Il a le bon nom. He is born at the right time. Il est né à la bonne époque. He is supposed to be used by God greatly. Il est censé être utilisé grandement But par he Dieu. Doesn't know much. Mais il ne sait pas grand-chose. Till they find the book. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé A le book. Livre. Un livre. So you see, my friends, books. Donc vous voyez, mes amis, les livres. Very
powerful. Sont très puissants. It's when you don't know. C'est quand vous ne savez pas what a book can do. Ce qu'un livre peut faire. That you trifle with books. Que vous jouez avec les livres. If my books were not here, I wouldn't have come to the conference. Si mes livres n'étaient pas arrivés, je ne serais pas venu à la conférence. Yeah, because I can talk and talk and talk. Parce que je peux vous parler sans arrêt. But you have to read and read and read Mais and vous read. Devez lire, lire, relire. Yes. Yes, I can talk and talk and talk, but you have to read and read and read. Je peux parler, 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 mais vous devez lire et lire et relire. You have to read over and over and over the same thing. Et vous devez relire, relire la même chose plusieurs fois. Yes. Oui. How many know Martin Luther? Combien de personnes connaissent Martin Luther? Only 18 people know. Seulement 18 personnes le connaissent. Ah, more now. Ah, un peu plus maintenant. Martin Luther. Martin Luther is the best example est le meilleur exemple of a person whose life was changed by a book. D'une personne dont la vie a été transformée par un livre. In those days, dans ces temps-là, the Catholic Church, l'Église catholique, they were controlled by the pastors, the priests. Était contrôlé par les prêtres. And to be saved, et pour être sauvé, you have to do certain things. Vous deviez faire certaines choses in the Catholic Church. Dans l'Église catholique. You have to pay penance. Vous deviez payer des pénalités. And there were many artifacts. Il y avait beaucoup d'artefacts. And things you needed to see or touch. De choses que vous deviez hold. Voir. And when you see it, toucher, and you touch it, vous le voyez, vous le your touchez. Your relatives who are in hell or in purgatory, they are transferred gradually towards heaven. Et plus vous faites toutes ces choses, les membres de votre famille qui sont en enfer ou du moins au purgatoire sont maintenant transférés vers le ciel par tout ce que vous faites pour eux. There was a set of stairs like this. Il y avait des escaliers comme ça. Called the Sancta Scala. Qui s'appelaient les Sancta Scalas. They were said to be the steps on which Jesus stood when Pontius Pilate declared him guilty. So if you as a Christian can go and stand on the Sancta Scala, your salvation is very powerful and it pushes your relatives from purgatory towards heaven. Et il disait que sur ces escaliers-là, c'est là où que Jésus était quand Ponce Pilate l'a déclaré coupable. Fantastic. Donc ils ont dit, si vous venez sur ces escaliers-là, alors vous êtes vraiment plus sauvés que tout le monde. Et là, vos membres, les membres de votre famille sont de plus en plus loin du purgatoire vers le ciel. They had many things. Ils avaient plusieurs choses. Milk from the virgin's breast. Du lait des seins de la Vierge. When you see. Quand vous le voyez. Wow. Wow. A tooth from one of the lions in Daniel in the lion's den, one of the teeth. Une des dents des lions dans la fosse de Daniel. I was in Cologne. J'étais à Cologne. Big cathedral. Une belle cathédrale. I walked from the back of the cathedral. J'ai marché de l'arrière de la cathédrale. And I saw gold shining at the end. Et j'ai vu de l'or qui brillait au fond. So I said, "What is this?" Donc j'ai dit, c'est quoi ça? So I walked all the way. Donc je suis allé jusque là-bas. If you've been to Cologne, you should visit the cathedral. Vous devriez aller à Cologne. Vous devriez aller à la cathédrale. At the end, I saw three golden coffins. Et à la fin là-bas, j'ai vu trois cercueils dorés. High up in the sky, up there. Tout haut, par là-bas. Surrounded by glass and lights. Entouré de verre et de lumière. So I said, who is in these coffins? Donc j'ai dit, qui est dans ces cercueils? Do you know who? Do you want to know who was Vous in voulez this savoir qui était dans ces cercueils? The three wise men who came to see Jesus when he was born. Les trois rois mages qui sont venus voir Jésus quand il était Today is there. Aujourd'hui, ces cercueils sont là-bas. This is how salvation used to come. C'est comme ça que le salut venait dans ces temps-là. Now comes Martin Luther. Maintenant, Martin Luther arrive. Martin Luther was also believing all these things. Martin Luther croyait également en toutes ces choses. He was one of them. Il faisait partie, il était l'un Then, de leurs. One day, et un jour, he was struggling with salvation. Il se débattait avec le concept du salut. The senior priest felt that he was going mad. Et le prêtre principal pensait qu'il devenait fou. So they decided, look, this unstable man, the best and safest place is to put him in the Bible school to teach. Et donc, ils se sont dit, cet homme instable, la meilleure chose à faire, c'est de l'envoyer à l'école biblique pour qu'il enseigne. That was a mistake. C'était une erreur. When he went to the Bible school, he had to give lectures. Quand il allait à l'école biblique, il devait donner des cours. And they gave him his topics. Et ils lui ont donné les sujets qu'il devait traiter. Ephesians,
Ephésiens, Romains, and Psalms. Et les psaumes. So he started to read through. Donc il a commencé à les lire. Hey, he was surprised. Il était surpris. When he read Ephesians. Quand il a lu Ephésiens. Not by works of righteousness, non par les œuvres de la justice, but by his grace, mais par sa grâce, we are saved. Nous sommes sauvés. Said, wow! Il dit quoi? What a shock! Quel choc! Romans 10, 9 and 10. Romains 10, versets 9 et 10. If you believe in your heart, si tu crois dans ton cœur, and you confess with your mouth, et tu confesses de ta bouche, you shall be saved. Tu seras sauvé. Whether you have seen the milk from the virgin's breast, que tu aies vu le lait du sein de la vierge, or Daniel's tooth in the lion's den, ou la dent d'un des lions dans la cage au lion, or whether you stood on the steps, Sancta Scala steps, ou que tu te sois tenu sur les escaliers Sancta Scala. If you believe in your heart, non, si tu crois en ton cœur, et tu confesses de ta bouche, you shall be saved. Tu seras sauvé. Romans chapter 5. Romains chapitre 5. We are justified. Nous sommes justifiés by faith. Par la foi. He was shocked. Il était choqué. 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 Wow. Wow. All this from reading a book that he had but he had never read. Tout ça parce qu'il a lu un livre qu'il avait mais qu'il n'avait jamais lu. So for 2 years. Donc pendant 2 ans. He continued reading it to believe whether it was true. Il a continué à lire after pour voir two years si c'était said, no, it's true. Après 2 ans, il s'est dit non mais c'est this vrai. This is nonsense. Tout ce qu'on fait là, I'm c'est rien. Saved by grace. Je suis sauvé I'm par saved la by faith. Je suis sauvé par la so foi. So he soaked in the book so much that he rewrote the book. Donc il était tellement dans le livre qu'il a réécrit. And summarized with 95 points. Il a résumé en 95 points. And went and nailed it on the back door of the church. Et elle allait le clouer sur la porte de sortie de l'église. And that started the worldwide reformation and revival of the whole church. Et c'est ça qui a commencé la réformation et les réveils dans l'église à travers le monde. And where did it come from? Et d'où est-ce qu'il venait? Where did it come from? D'où est-ce qu'il venait? A book. Ça venait d'un livre. A book. D'un livre. A book that he read. Un livre qu'il a lu. Just like Josiah. Tout comme Josiah. A worldwide revival. Un réveil mondial. Came from a book. Qui est sorti d'un livre. That he was given to him. Qui lui a été donné. People don't know the value of books. Les gens ne connaissent pas la valeur des livres. You know, many years ago, vous savez, il y a plusieurs années, somebody came to me, quelqu'un est venu me voir and gave me a little book. Et m'a donné un petit livre. A book. Un livre. I was a student. J'étais étudiant. So I read the book, little donc, one. J'ai lu le livre, c'était un it petit was livre. Called, I don't want to mention the name. But it was an amazing little, just a little book by Kenneth Hagin. Je ne dirai pas le nom, c'était un petit livre par Kenneth Hagin, mais qui était époustouflant. When I read it, I said, wow. Quand je l'ai lu, je dis, wow. What else has this man written? Qu'est-ce que cet homme a écrit d'autre? And I started to find more books. Et j'ai commencé à trouver plus de livres. More, then I started to find his preaching. Et j'ai commencé à trouver ses enregistrements audio, ses prédications. And I started to soak it in. Et j'ai commencé à les avaler. That began the revival. Et ça a commencé le réveil of my life. De ma vie. And today. Et aujourd'hui. Yes. Oui. Through reading. Par la lecture. And listening. Et en écoutant. Just a book. Juste un livre. You never know vous ne saurez jamais how powerful à quel point it is to receive a book. C'est puissant de recevoir you know, the un day livre. The man came to my house, vous savez, le jour où cet homme-là est venu dans let ma me maison, take a small book here. Je vais I'll prendre you. Un petit livre ici et vous montrer. Where is the book called Anakazo? Où est le livre qui s'appelle Anakazo? Wow. Wow. Anyway. Okay. I got a little book here. J'ai un petit livre là. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Lis ta Bible, prie chaque jour. Yeah. Read your Bible, pray. Lis ta Bible, prie. It sounds like basic, hein? On dirait quelque chose, un truc élémentaire, n'est-ce pas? Sounds basic, hein? Ça a l'air élémentaire, n'est-ce pas? You are mature, you see. Vous êtes mûr, vous, vous voyez? Read your Bible, pray every day. Lisez votre Bible, priez it's too, chaque jour. Too basic for you, right? C'est trop élémentaire pour vous, n'est-ce fantastique. Pas? C'est fantastique. It is a great thing to serve the Lord. C'est une grande chose que de servir le fantastique. Seigneur. Fantastique. The tree and your ministry. L'arbre et votre ministère. Yes.
Oui. Yes. Beautiful. Magnifique. Huh? Magnifique. I have a book. J'ai un livre. Top 10 mistakes. Les 10 erreurs principales. Yes. Oui. The art of hearing. L'art d'écouter, d'entendre. The art of ministry. L'art du ministère. The art of following. L'art de suivre. Wow. Wow. Art of following. L'art de suivre. Yeah. Art of copying. L'art de copier. Beautiful. Magnifique. Is it not amazing? N'est-ce pas époustouflant? Yes. Amazing. Époustouflant. Yeah. Oui. Fantastic. Fantastique. Anakazo. Anakazo. Many are called. Plusieurs sont appelés. Top 10 mistakes that pastors make. Les top 10 erreurs principales que les pasteurs commettent. Top 10. Les 10 erreurs principales. Lay people and the ministry. Laymen. Les personnes qui servent dans le ministère mais qui ont quand même un emploi à temps plein. Un what it means to become a shepherd. Ce que ça veut dire que de devenir un berger. Now this is the one. Et small celui-là, one. C'est le tout petit, c'est celui Anakazo. Que je cherchais. Anakazo. 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 Now the book that was given to me was small like this. Le livre qu'on m'a donné était petit comme celui-ci. Oui. But today here I am. Mais aujourd'hui me voici. Kenneth Hagin, when he died, he had 65 million books in print. Quand Kenneth Hagin est mort, il avait 65 millions de livres imprimés. 65 million books. 65 millions de livres. And now I have almost 20 million books in print. Et actuellement, j'ai à peu près 20 millions de livres the qui ont été publiés. L'art de suivre, suivre. Yes. Oui. You know, pastors print book maybe 2,000 copies, maybe 1,000 copies. Vous savez, les pasteurs impriment des livres, c'est peut-être 2,000, 1,000 copies. Huh? And you cannot sell it. Et vous n'arrivez même pas à les vendre. Nobody wants to read it. Personne ne veut les lire. It's just a symbolic book. C'est juste un livre symbolique. To show that you came to the world and pour montrer que vous êtes venu dans le monde et vous avez fait quelque chose. Hey. Hey. Anakazo. Anakazo. You know, I want to tell you something. That day the man came to me and put the book in my hand. Vous savez quoi, le jour où cet homme est venu et a mis le livre dans ma main. He was giving me all my tracts. Il me donnait tous mes tracts. You see those tracts? Vous voyez tous ces tracts? That's the West African convoy. C'est le convoi. Il me donnait tous mes camions plutôt. This c'est not le convoi. Convoy that's going to DRC. Ça c'est le convoi qui va en RDC. The one going to DRC is a different one. Excusez-moi, ce n'est pas le convoi qui va en RDC, c'est un same, convoi différent qui South va African y aller. African convoy. On a un convoi qui part d'Afrique du drive Sud et c'est lui qui ira en RDC. They drive on the eux, ils conduisent, je pense, left. De l'autre côté de la rue, de la route. The way sur they la drive gauche. In South Africa, what do you call it? Drive on the left. Comment the... ils conduisent en Afrique du Sud? On they dit drive on the right, like England, gauche, like sur England. En tout cas, ils conduisent comme this en Angleterre. This one is like here, and that one is like England. Donc, on a un convoi qui conduit comme ici, un autre qui conduit comme en Angleterre. That's millions of dollars. Donc tout ça, ce sont des millions de dollars. For evangelism. Pour l'évangélisation. Yeah. Oui. The day he gave me my book, the book. Le jour he où il m'a donné ce livre, il me donnait mes églises. He was giving, here's your churches. Il disait voici tes églises. Here's your work, your life's work. Voici l'œuvre de ta vie. He was giving me anointing. Il me donnait l'onction. The day he gave me the book. Le jour où il m'a donné ce livre. People don't know what is a book. Les gens ne savent pas ce qu'est un livre. If you are serious with God, si vous êtes sérieux avec you Dieu, will always be serious with a book. Vous serez toujours sérieux avec because les you livres. Know that a book can make the difference parce que vous in saurez your life qu'un livre and your ministry. Peut faire la différence dans votre vie yeah. Et votre listen, ministère. Everyone here tout le monde ici must decide doit décider to become a reader. De devenir un lecteur. Like, not just a reader, et pas seulement un lecteur. But an eater. Mais quelqu'un qui mange of books. Les livres. Yes. Oui. Yes. Oui. I'm not trying to sell books to you. Je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre des livres. You do your own calculation and see how much. Faites vos propres calculs pour voir combien. It will be to bring this with a box like this. Combien very ça aura coûté de préparer here. Ce paquet, le coffre et la boîte, tout ça. Demandez-vous le prix que ça just, a coûté. Just calculate it in your calculez head. Vous-même pour voir. You know, I thank God for Bishop Thomas. Vous savez quoi, je bénis you Dieu know, pour Bishop Thomas. He came to Zambia. Il est venu en Zambie.
And he said something that touched my heart. Il a dit quelque chose qui a touché mon cœur. Il vient de Hongrie. Wave at them. Let fais leur signe qu'ils te voient. Oh, stand up and wave. Lève-toi carrément. Lève-toi stand carrément et fais leur signe. Thank you. Merci. Thank you. Sit down. Merci. Sit down. Tu peux t'asseoir. Merci. He said, you know, he came and he gave an offering to the crusade. He said, I can see you are giving everything free. Everything you do is free. Il a apporté une offrande pour la croisade. Il a dit, je peux voir que tout ce que tu fais est gratuit. It only takes a type of eye to see that everything is being done free. Il faut un œil particulier pour voir que tout ce qui est fait gratuitement. Yes. People don't see it. Parce que plusieurs if ne voient think, pas ça. You see. Si vous faites semblant, vous verrez. Yeah. Oui. Yeah. There are people who preach and charge $50,000 a night. Il y a des gens qui prêchent, mais pour entrer pendant 30 minutes simplement, c'est $50,000. Yes. Oui. Pastors. Des pasteurs. 50,000, 100,000. 50 000, 100 000 dollars pour qu'ils viennent intervenir. Amazing. Huh? Et pas tant, n'est-ce pas? Appearance. Pour yes. Des frais pour leur apparence simplement à un événement. When I went to Zambia, a pastor was so touched. He said, you know, we were inviting this great man of God from a certain country. We have to pay $250,000 for him to come, plus 21 first class tickets from that country, a certain country whose name begins with one of the letters in the alphabet. You know? Quand je suis allé en Zambie, un pasteur me disait, il était tellement reconnaissant que je sois là parce qu'il avait invité ce grand pasteur d'un pays dont le nom commence par une des lettres de l'alphabet. Et ce pasteur lui a imposé pour qu'il vienne qu'il paye $250,000 et 21 billets de première classe pour l'avion. Wow. Wow. Fantastique. Fantastique. Yeah. But you see, that's why I thank God for the pastor that you can see through that it's all free. C'est pour ça que je bénis Dieu pour pasteur parce que vous pouviez voir que tout était gratuit, donné gratuitement. The man put the book in my hand. Le jour où cet homme a mis le livre dans ma main. He was giving me thousands of churches. Il me donnait des milliers d'églises. So today, donc aujourd'hui, I am also putting a book in your hand. Je mets également des livres dans vos mains. I'm putting books in your hand. Je mets des livres dans vos mains. I'm putting books in your hand. Je mets des livres dans vos mains. God is going to use you. Dieu vous utilisera. God is going to bless you. Dieu vous bénira. God is going to change your life. Dieu changera vos vies. Trust me. Faites-moi confiance. Joshua chapter 1 verse 8 quickly. Josué 1 verset 8 rapidement. Joshua. Josué. Wow. Wow. My darling, read this out to me, please. Joshua 1, verse 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Wow. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Mm. Car c'est alors que tu auras du succès fantastic. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Wow. Amen. Wow. Wow. Amen. The master key to ministry. Je veux dire la clé pour le ministère. This book. Joshua. Going into the ministry. Qui entre dans le ministère. Going with God. Qui va avec the Dieu. The only advice. Le seul conseil. God could give him. Que Dieu lui qu'on lui this donne. This book. Ce livre. This book. Ce livre. Don't let it go out of your mind. Ne permets pas qu'il s'éloigne de tes pensées et de ton cœur. Meditate. Meditate day and night. Jour et nuit. Power will come into you. La puissance viendra. This is the toi. Only advice. C'est le seul conseil. That God could give his general. Que Dieu pouvait donner à son général. This is the book. This voilà le livre. Feed on this book. Nourris-toi de ce soak livre. In this book. Noie-toi dans ce livre. Let it be in you. Qu'il soit en toi. Beautiful. Magnifique. What a blessing. Quelle bénédiction. Friends, mes amis, I don't want you to ever minimize. Je ne veux pas que vous the minimisiez power of a book la puissance d'un in your life. Dans votre vie. Ne le faites jamais. Revelations. Des révélations. Chapter 10. Apocalypse chapitre 10. Verse 1. Verset 1. How many want before you go to Revelation chapter 10? Avant d'aller how dans many Apocalypse of you would 10, love an angel to come to you? Qui voudrait qu'un ange vienne le voir?
Why do you want an angel, by the way? Why would Pourquoi you want un ange d'ailleurs? Pourquoi vous voulez qu'un ange vienne vous voir? What's the angel going to do for you? Qu'est-ce que l'ange va faire pour vous? Some money. De l'argent. Bring you some diamonds. Vous apporter des diamants. Some gold. De l'or. A message from Jesus. Un message de Jésus. A message from Jesus. Un message de Jésus. Beautiful. Magnifique. Revelation chapter 10. Let's see. Apocalypse 10, voyons. Wow. Wow. Read it out. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds des colonnes de feu. Verse 2, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Wow, what did the angel have? Qu'est-ce que l'ange avait? What did the angel have? Qu'est-ce que l'ange avait? A little un petit book livre. Wow. Wow. Carry on, my dear. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte. Okay, 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 okay. Okay. Now, an angel has appeared. Un ange est apparu. And what is the angel carrying? Et qu'est-ce que l'ange porte? Into your life. Qu'est-ce qu'il emmène dans votre vie? A little book open. Un petit livre ouvert. Verse 8. Verset 8. Verse 8. Verset 8. Beautiful. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et Now, dit. You read it and then she reads it. Verse 8. Verse 8. Yeah, carry on. Verse 8. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open. Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange. Hey! Take the little book. Yes. Prends that le petit is livre open in the hand of the angel. Qui est ouvert dans la main de l'ange. And I went unto the angel and said unto him. I went to the angel. Now, je suis allé à l'ange. How big was this angel? Maintenant, quelle était la taille de cet ange? This angel had one foot in the sea. Cet ange avait un pied dans la and mer. And one foot on the earth. Et un pied sur la terre. That's a big angel. Ça, c'est un grand ange. From Paris to the sea. De Paris Where à la the mer. Nearest sea to Où Paris? Est la mer la plus proche de Paris? Is the sea? Do you have a sea in Paris? Vous avez la mer à Paris? Mondi. Normandie, Normandie, Normandie. Normandie. Okay, okay, yeah, to Normandie, England. Pour aller en Angleterre. So from Normandy, donc de la to Normandie Paris, à Paris. In the English Channel and can you imagine how tall, far taller than the Eiffel Tower? The angel will be very about this Eiffel Tower will be very small, like the toes of the angel. La tour Eiffel serait comme les orteils seulement de cet ange qui peut avoir un pied en Normandie et l'autre sur Paris. Hey. So read it. Verse 8. Lisez-le, verset 8. Yes. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up. Eat it. And it shall make thy belly bitter. But it shall be in thy mouth sweet as honey. Verset 9. Yes, read it. And I took no, no, no. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Wow. Wow. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up. And it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. You see, the ministry of God has two sides, sweet and bitter. Vous voyez, le ministère de Dieu a deux parties, la partie douce et la partie amère. It is nice, but it's also bitter. C'est bon, mais c'est également amer. The first part is nice, but as you go deeper, it's bitter. La première partie est douce, mais quand vous allez plus profondément, c'est amer. So those of you who admire men of God and say,
I want to be a man of God. Donc ceux d'entre vous qui admirez les hommes de Dieu et vous dites, oh, je veux être un homme de Dieu. There's two sides. Il y a deux parties. Sweet. La partie douce. And bitter. Et la partie amère. Now let's see. Are you ready for magic? Maintenant êtes-vous prêt pour la magie? Shake your neighbor and say, magic is coming now. Secouez votre voisin, dites-lui la magie arrive magic maintenant. Magic is coming now. La magie arrive maintenant. Wow! Wow! I want you to see what is happening. Je veux que vous voyez ce qui se passe. After reading, eating. Now he said, eat the book, not read. Il n'a pas dit lis le livre. Il a dit mange-le. Mange, not mange. Read. Il n'a pas dit. You don't benefit from books when you read them. You benefit when you eat them. Le bénéfice c'est pas quand vous lisez un livre, mais quand vous le mangez. Manger. Manger. Look. You see, you have eaten hamburgers, but when we see you, we can't see hamburger all over. The food you've eaten has merged with your body. Voyez, vous avez mangé beaucoup de hamburgers, mais quand on vous voit, on ne voit pas de hamburger sur vous. La nourriture s'est mêlée à votre corps. Anybody you see walking there is a combination of hamburgers and steak chips and all that are walking there, but it has joined together. You can't see the chips, you can't see the hamburgers. It's all mixed up together and from the bottom and tout ce que vous voyez dans la rue, c'est une combinaison d'hamburgers, de frites et de tout ça. Mais vous ne voyez plus les aliments sur eux parce que tout est mélangé dans le corps et c'est devenu leur forme. Wow. Wow. So when you eat a book, donc quand vous mangez un livre, and you preach, et vous prêchez, if you've eaten it, si vous l'avez mangé, nobody even knows where you are coming from. Personne ne saura même d'où it's vous venez. Part of you. Ça fait partie Look, de vous. If I am the greatest, I am the greatest copycat you can find on earth. Vous savez quoi, je suis le plus grand copieur sur terre. Wow. Wow. Me, I believe I've even written a book about copying. Moi, j'ai même écrit un livre sur copier. The art of following. L'art de suivre. Hey. When I say, hey, it is Bonke who says, hey, that's why I say, hey. Quand je dis, hey, c'est Bonke qui dit ça, c'est pour ça que je le dis. I don't know why he says it, but if he says it, I'll say it. Je sais pas pourquoi il le dit. S'il le dit, je répète. Hey! Hey! Yeah. Magnifique. Yeah. Oui. You see, when you are a follower, this book is called The Art of Following. Ce livre s'appelle L'Art de Suivre. When you are a follower, quand vous suivez, a shameless follower, quand vous suivez sans en avoir honte, huh? Hein? In the end, people don't know whether you are the original or that man is the original. À la fin, who is the original in this thing? Qui est l'original, qui est la copie? Hey! Yeah. Mais oui. People don't know that. Les gens ne sauront plus en fin de compte qui était l'original, qui a copié. You know. Vous savez. One day I went to Korea. Un jour, je suis allé en Corée. Not so long ago. Il y a pas trop longtemps. 3, 4, 5 years ago. Il y a 3, 4, 5 ans. I took 50 people. J'ai emmené 50 personnes. To Korea. En 50. Corée, 50. During the conference, I took them around all the offices, back, the back door. Et pendant la conférence, je les ai emmenés dans tous les showing bureaux. Them. You see, je leur ai montré. Vous voyez, beautiful. C'est beau, hein, là. All the things they do behind the scenes. Vous voyez toutes les choses qu'ils font dans les bureaux, derrière les rideaux, tout ce qu'ils font là. So in the evening, donc les soirs, I had a meeting with all of them. J'ai eu une rencontre avec and I was tous asking them, what impression do you have of Korea? Et je leur ai dit, quelle est l'impression que vous avez de la Corée? Somebody stood up and said, can I say something? Quelqu'un s'est levé et a dit, je peux dire quelque chose? He said, I feel these people have copied a lot of things we are doing in Ghana. They have copied them here in Korea. Il a dit, ah, je crois que ces gens, ils ont copié beaucoup des choses qu'on fait au Ghana. Ils les ont copiées ici. I started to laugh. I said, I came to copy from them. Je dis, c'est moi now qui you veux think they copied from me. C'est pas eux qui ont copié de moi. I'm a hard follower. Je suis avec force. Yes. Psalm 63, verse 8. Psaume 63, verset 8. Yes. Psaume 63, verset 8. My soul followeth. Mon âme est attachée à toi, elle te poursuit. My soul followeth. Mon âme est attachée à toi, elle te poursuit. Following. Fortement. I don't just follow, I follow. Je ne suis pas seulement, mais je suis de toutes mes forces. Wow.
Now, back to the angel and the book. Maintenant, on retourne à l'ange et au livre. Are you ready for the magic? Vous êtes prêt pour la magie? After eating the book, après avoir mangé le livre, miam miam miam. Shall we see what is going to happen now? On va voir ce qui va se passer. Are you ready for magic? Vous êtes prêt pour magic, la magie? Magic, magic, magie, magie. Hey. Wow. Puis, what does it mean? Puis on me. Puis, then they told me. Then he said. Then they said. After eating it. Après que j'ai remember mangé. When he ate, it was sweet, it was bitter. Vous vous souvenez quand il a mangé, c'était he doux said, et ensuite c'était amer. You are now going to prophesy. On lui dit, il faut maintenant que it tu means prophétises. You are now going to minister. Tu vas maintenant you are now going to preach. Tu vas maintenant prêcher. To many people, look at it. Regardez, pour beaucoup de gens. Many people. Beaucoup de gens, yes. Beaucoup de peuples, many. Des nations, des langues, no, des rois. Non, 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 non. Many people. Non, d'abord beaucoup de peuples. Yes, many people. Beaucoup you de see, peuples. Your ministry is few people now. Votre ministère actuellement est pour peu de gens. But after eating the book, mais après avoir mangé le livre, it's going to become many people. Ça deviendra beaucoup de peuples. Many people are going beaucoup to listen to you. Vous you're going to prophesy to many people. Vous allez prophétiser à beaucoup receive de it in Jesus' name. Recevez-le au nom de Jésus. Wow. Wow. Your small, small groups. Vos petits, petits groupes are going to become huge groups. Vont devenir des groupes énormes. Your little fellowships. Vos petites communions are going to become many people. Vont devenir beaucoup de peuples. You know, my church. Vous savez, mon église was not big enough to arrange in this way. N'était pas assez grande pour qu'on arrange les chaises comme ça. Yeah. We arranged around like this. On les mettait en rond comme ça. Because it was not big enough to arrange. When you arrange this way, it gets finished. Just parce que quand on faisait des rangées, il y en avait plus. Just il y en avait pas beaucoup. So c'était we juste formed une rangée. Ringa ringa roses. Donc on a fait des cercles. One day I said, "Oh God, why am I only the leader of small things?" Et donc je dis un jour à Dieu, mais pourquoi suis-je seulement le leader de petites choses? Wow, but I didn't know it was coming. Ouais, mais je ne savais pas que ça venait. I see yours coming in Jesus' name. Je vois venir votre portion. I see yours coming in Jesus' name. Je vois votre portion venir. Many people. Beaucoup de peuple. Beautiful. Magnifique. Now the next one is many nations. Le point suivant est beaucoup de nations. Wow. Wow. Some of you have been stuck in France. Certains d'entre vous êtes bloqués, coincés en France. But now God is going to give you many nations. Mais Dieu va vous donner beaucoup de nations. I just came from Zambia. Je viens juste de Zambie. I came to Ghana. Je suis venu à I've Ghana. Come to Paris. Je suis venu à Paris. I'm going to DRC. Je vais en RDC. Brazzaville. Et puis ensuite à Brazzaville. Five nations. Cinq nations. I'm always in nations. Je suis toujours dans des nations. Nations. Des nations. Nations. Des nations. Beautiful. Magnifique. You'll be there too. Vous y serez également. You'll be there too. Vous y serez également. Nations will wait for you. Des nations vous attendront. Nations will wait for des you. Des nations vous attendront. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. Your ministry is declared an international ministry from today. Je déclare votre ministère international à partir d'aujourd'hui. I said your ministry is declared an international ministry je from today. Je déclare votre ministère international à partir d'aujourd'hui. Do you believe the prophecies? Est-ce que vous croyez la prophétie? Shout prophesy! Criez prophétise! Prophesy! Prophétise! 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 Hallelujah. Hallelujah. It's going to get better. It's going to ça get better. Ça s'améliore. It's going to get better. Ça s'améliore. Now, after many people, maintenant après beaucoup de peuples, many nations, beaucoup de nations, many languages, pour nous beaucoup de langues. Wow. Wow. Your ministry will be in many languages. Votre ministère sera en beaucoup de langues. Your ministry will be in many languages. Votre ministère sera en beaucoup de langues. This is the power of God. 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 Oh yes. Oh. I mean, look at this one in French. Lift it up. Regardez ça. It's a miracle. Ça c'est un miracle. To even pay for translation. Même payer pour la traduction. Yes. Oui. It's not a, look at the thick book. Regardez le gros livre. Yeah.
Oui. With so many words. Avec tellement de mots. They charge. Ils vous font payer. Per letter. Par lettre. Per word. Par mot. To trans. Hein? Per word. Par mot. Translated in Polish. Traduit en which country polonais. Do you go? Czech. Czechoslovaque. En Arménien. Arménien. Albania. En Albanie. Poland. Poland. Russian. En Russian. Ukrainian. Ukrainian. La langue yes. Chinese. En chinois. All this is in Mandarin. Tout ça c'est en mandarin. This book is in Indonesian. Ce livre est dans la langue de l'Indonésie. Amazing. Amen. It's the power of God. C'est languages. 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 Beautiful. Magnifique. You know something? Vous savez quelque chose? At first, I didn't like interpreters like this one. Au début, je n'aimais pas les interprètes comme celle-là. Because they were wasting my time when parce I'm preaching. Me faisaient perdre mon temps quand je prêchais. But when I read this verse, mais quand j'ai lu ce verset, I realized that it is a great promotion that you need an interpreter. Que c'était une grande promotion que d'avoir besoin d'un interprète. Yes. It's oui. A great promotion. C'est une grande promotion. Yes. Oui. So now, donc maintenant, I feel very happy. Je suis très content. Sometimes I have two interpreters. Parfois j'ai deux interprètes. Sometimes even three interpreters. Parfois même trois. At crusade, sometimes pendant I preach. Croisades. Parfois je prêche. First interpreter. Premier interprète. Second interpreter. Deuxième interprète. Third interpreter. Troisième interprète. Before it's my turn. Avant que mon tour ne revienne. Sometimes it takes so long. Parfois ça prend tellement longtemps. I can even send a text before it's j'ai my turn. J'ai le temps d'envoyer un texte avant qu'il ne finisse. Wow. Wow. It's a promotion. Languages. C'est une promotion. Languages. Beaucoup de languages. Langues. Beaucoup de langues. Languages. Beaucoup de langues. Hallelujah. Hallelujah. And then. Puis. The last one is kings. Des rois. You'll be speaking to the head of state. Vous parlerez au chef d'État. You'll be speaking to the head of state. Vous parlerez au chef d'État. Yes. Last week I was with my president. La semaine passée j'étais avec mon président. Yes, I just oui. Went to see him. Je suis allé le voir. Beautiful. Magnifique. I was talking to him. Lui parlant yes. Comme ça. You'll be there. Vous y serez. You know, I recently saw. Vous savez récemment j'ai vu. Prime Minister Cameron. Is it the one in English? L'ancien premier ministre yes. D'Angleterre, Cameron. He was attending Redeemed Church. Il était à l'église Redeemed. Nigerian Church Redeemed. He was l'église he was there. Redeemed. Il était was là-bas. There. Il était là-bas. He was there. Il était là-bas. You see, when the ministry gets to a point. Vous voyez quand le ministère a une certaine envergure. They cannot ignore you. Ils ne peuvent plus vous ignorer. Whatever your country, your color. Quel que soit votre pays accept. D'origine, tout yes. Ça non. Yes. Yes. Oui. Now, how did we get to this point? Maintenant, comment vous êtes arrivé à ce point-là? How did we get to all this magic? Comment vous êtes arrivé à toute a cette magie? Un livre brought by an angel. Emmené par un ange. Yes. Oui. A little book. Un petit livre. Open. Ouvert. Reading. Écrit. Amazing. Époustouflant. I want to give you a homework. Je veux vous donner un devoir. Till whenever else we meet again. Jusqu'à la prochaine fois où nous nous retrouvons. Ah. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Read your Bible. Lisez votre Bible. We had a book. Read your Bible. Pray. On a un livre qui s'appelle Lis ta Bible. Yes. Oui. Read your Bible. Lis ta Bible. Pray every day. Prie chaque jour. Yeah. Oui. Lis ta Bible. Ta Bible. Prie chaque jour. Yeah. If you want to grow, si vous voulez grandir, vous voulez grandir. Vous voulez grandir.
How many want to grow? How many want to grow in the spirit? How many want to be blessed in the spirit? Lift your hand, everybody, and thank God for showing you the master key. To the greatness of your ministry. Pour la grandeur de votre ministère. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. For calling us. De ce que tu nous as appelé. For sending us. De ce que tu nous as envoyé. For anointing us. De ce que tu nous as rappelé. To break the curse of barrenness. De briser la malédiction de la stérilité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The curse of barrenness. La malédiction de la stérilité. Is broken tonight. Est brisée ce soir. The curse of emptiness. La malédiction du vide. Is broken in Jesus' name. Est brisée au nom de Jésus. The curse of nothingness. La malédiction du vide. Is broken in Jesus' name. Est brisée au nom de Jésus. I prophesy. Je prophétise. Many people. Beaucoup de peuples. Many nations. Beaucoup de nations. Many languages. Beaucoup de langues. Many kings. Beaucoup de rois. Shall listen to your voice. Écouteront votre voix. Shall listen to your wisdom. Écouteront votre sagesse. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Your ministry is taking another turn. Your ministry is taking another turn. You are going higher. Higher. Many people, beaucoup de peuples, many nations, beaucoup de nations, many languages, beaucoup de langues. Receive it in Jesus' name. Recevez-le au nom de Jésus. Lift your hand and thank God levez for His power, remerciez Dieu pour His la blessing, pour sa bénédiction, His glory, pour sa gloire, which is released. Qui est relâché. Jesus, Jésus. Jesus, we give you thanks. Nous te Jesus, we give you praise. Thank you for sparking a revival. Merci d'avoir déclenché. Thank you for sparking a revival. Merci d'avoir inspiré. Thank you for sparking a revival. Merci d'avoir déclenché. Thanks for sparking a revival. Merci d'avoir déclenché. Thanks for your power. Merci pour ta puissance. Thanks for your power. Merci pour ta puissance. Jesus, we love you. Jesus, we thank you. Thanks for the shepherds. Thanks for the pastors. Merci pour les pastors. Thanks for the leaders. Merci pour les leaders. Receive the glory of God. Recevez la gloire. Receive the grace of God. Recevez la grâce de Dieu. Everybody lift your hand and thank God. For a new day, a new chapter, a new level, for your church, your ministry, your work, your fruitfulness. God is going to use you. God is going to bless you. You shall serve the Lord, and He shall bless. Thank you, Father, for your power, your mercy, and your glory in Jesus' mighty name. If God has called you, si Dieu vous a appelé, and you believe et vous croyez that God is going to use you, que Dieu vous utilisera, just take two steps forward. Faites simplement deux pas en avant towards me, towards vers me. If you can move, yeah, si just two or three steps, yeah, just move out of your chair towards me. If, juste là où vous êtes assis, juste pas and just lift your dans hands. La direction et levez yes. Les mains. We cannot all come forward, but just nous where you are. Tous venir l'avant, mais là Father, où vous êtes. I thank you. Je te remercie. By these steps forward, par ces pas en avant, so shall your servants ainsi, move forward. Tes serviteurs out of the place they used to be, ils sortiront de là où ils étaient. They shall step forward. Ils avancent. Out of dryness, de la sécheresse. Out of dryness, de la sécheresse. Out of the desert, du désert. Out of emptiness, de le vide. Out of barrenness, de la stérilité. Out of unfruitfulness, du manque de fécondité. They are coming now. Ils sortent. Come out now. Sortez maintenant. Thus says the Lord. Ainsi dit the dry bones. Les ossements desséchés. Come alive. Retrouvez la vie. Come alive. Retrouvez la vie. Dry bones. Mathieu. Come alive. Dry bones. Ossements secs. Come alive. Retrouvez la vie. Bring forth fruits. Portez des fruits. Bring forth fruits. Portez des fruits. Bring forth fruits. Portez des fruits. Fruits. Des fruits. Fruits. Des fruits. Fruits. Des fruits. Bring forth fruits. Portez des fruits. Bring forth fruits. Portez des fruits. Fruits unto the Lord. Des fruits pour le Seigneur. Fruits unto the Lord. Des fruits pour le Seigneur. Fruits unto His power. Des fruits pour sa puissance. Bring forth fruits. Portez des fruits. Thank you. Merci.
Father, I thank you. Père, je te remercie. That the steps we took now. De ce que le pas que nous avons fait. Are releasing us. Nous relâche. We are now far. Nous sommes maintenant loin. From where we used to be. De là où nous étions. We have moved forward nous now. Nous avons avancé maintenant. We have stepped out, Lord. Nous sommes sortis, Seigneur. We have stepped in, Lord. Nous sommes entrés, Seigneur. We have stepped away. Nous nous sommes éloignés. From the power of darkness. De la puissance des ténèbres. And the power of barrenness. Et de la puissance de la stérilité. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Now lift your hands. Maintenant, levez les mains. And say thank you to God. Et dites merci à Dieu. For these 3 days. Pour ces 3 jours. God's power. La puissance and light. Et sa lumière. Has come to you. Sont venus. Arise and shine. Lève-toi. Your light has come now. Car sa lumière est arrivée. You are going forward. Tu vas avancer. As a soldier. Comme un soldat. As a warrior. Comme un guerrier. As a battle axe. Comme un As a battle axe, comme une arme of the Lord, comme une Father, arme du thank Seigneur. Merci for what you have done pour ce que tu as fait for us all. Pour nous tous. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus. And everyone shouted. Et tout le monde crie. Amen. Thank you. Merci. You may be seated in the presence of the Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Beautiful. Magnifique. Please take your seats. Veuillez retrouver vos sièges. Father, I'm thanking you so much for this time we have had here. Père, nous te remercions tant pour ce temps que nous avons passé. For touching our lives. Reconnaissant de ce que tu as touché nos in a beautiful way. D'une manière si magnifique. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant now, de Jésus. How many of you are not pastors, but you are glad that you are here maintenant, to receive whatever God is doing? How many are glad? Qui n'est pas pasteur, mais heureux d'avoir été là pour recevoir ce que Dieu fait. Beautiful. Beautiful. You know, people who are not pastors are the ones who become pastors. Vous savez, les gens qui ne sont pas pasteurs sont ceux qui deviennent pasteurs. Yes. Yes. So in all the pastors' conference, we always have people who are not pastors, but they are the ones who become pastors. Donc, dans toutes les conférences de pasteurs, il y a toujours des gens qui ne sont pas pasteurs, mais c'est eux qui deviennent pasteurs. Yeah. Those who come for pastors' conferences become pastors. Ceux qui viennent aux conférences de pasteurs deviennent pasteurs. Sometimes the pastors cannot learn new things. Parfois les pasteurs n'arrivent pas à apprendre de nouvelles choses. Many pastors cannot learn anymore. Beaucoup de pasteurs ne peuvent plus apprendre. They've passed the stage of learning. Ils ont dépassé l'étape de l'apprentissage. Not that it's a good thing, but it's a problem. C'est pas que c'est une bonne chose, mais c'est un problème. Many cannot learn new things. Plusieurs n'arrivent pas à apprendre de nouvelles Sometimes choses. It's people who are not officially pastors who learn new things. Parfois, c'est les gens qui ne sont pas officiellement pasteurs qui apprennent ces nouvelles choses. Yes. But remember always to stay humble and able to learn something. Mais souvenez-vous de demeurer There is something et prêt new à apprendre. For your ministry. Il y a quelque chose de nouveau pour votre ministère. Your ministry is not how it's supposed to be. Votre ministère n'est I pas comme that. Il devrait être, je le sais. It's something higher. Il y a quelque chose de plus grand. Something better. Quelque chose de meilleur. It is going to be in Jesus' name. Et ça name. Se manifestera au nom de Jésus. Amen. Amen. Now, I want us to give our last offering. Je veux que nous apportions and, notre dernière offrande. Can I have the basket up in front again? Est-ce que je peux avoir le panier devant?